de ma mère, Pouba. Tu parles d'une meuf qui est entre la vie et la mort. Tu fais du buzz sur les gens qui sont entre la vie et la mort. La vie de ma mère. Je te croise à Miami. Eh, je vais montrer à toute la France que tu mérites d'être à la retraite. T'as 50 ans, la vie de ma mère, je te fais tomber par terre en 5 minutes. En plus, t'es là, je suis clash. Mais t'es abonné à mon mime. Grave pour Carla Talon. Je n'ai même pas pu aller à l'hôpital pour avoir de ses nouvelles. Elle va se faire rapatrier en France le plus rapidement possible. Soit Carla Talon ou Brian, ils vont être inactifs sur leur réseau parce que c'est actuellement trop grave ce qui se passe. Là, c'est plus une question de réseau, c'est une question de vraie vie. Ça veut dire qu'une septicémie, il y a plein de gens qui en meurent. Elle est infectée au niveau du sang et là, la situation est grave. Croyons en Allah, que vous croyez en n'importe quelle religion. C'est important de tous les jours prier. Parce qu'on sait pas le jour qu'on va mourir. On sait pas le jour qu'il peut nous arriver un truc grave. Heureusement que Carla, elle priait tous les jours. Heureusement que Carla, elle allait à l'église. Malgré le fait que c'était une fille qui faisait du... Voilà, qui faisait du herd. Le plus important, c'est d'être proche de sa foi. Parce qu'on sait pas quand est-ce qu'on va partir au paradis. D'une meuf qui est entre la vie et la mort, tu fais du buzz sur les gens qui sont entre la vie et la mort, la vie de ma mère, je te croise à Miami, eh, je vais montrer à toute la France que tu mérites d'être à la retraite, t'as 50 ans, la vie de ma mère, je te fais tomber par terre en 5 minutes, t'as 50 ans, t'es un papy, Wallah Bouba, je vais t'attraper, car la talon est en train de se faire rapatrier en France parce qu'elle est entre la vie et la mort avec une septicémie, la vie de ma mère, je vais t'attraper à Miami, arrête de croire que t'es costaud, t'as que des stéroïdes, je te monte en l'air, t'as 50 ans. Rapidement au tweet qu'il a mis Bouba. Franchement, à ton grand âge, c'est ridicule. T'es là, tu te moques des problèmes de santé d'une meuf qui est enceinte, qui a une infection dans le sang, et t'es là, tu te moques de ça. Je pourrais être ta fille. T'as toi-même deux filles et tu te moques des problèmes de santé d'une meuf. T'as pas honte? Je comprends pas, c'est pas ton délire, t'as pas de buzz à gratter ailleurs. C'est vraiment petit de ta part. En plus, t'es là, tu me clashes. Mais t'es abonné à mon mime. Quoi, tu veux gratter un petit code promo? Je comprends.